La communauté d'agglomération du plateau de Saclay, c'est un territoire d'exception en mouvement. Avec ses plateaux et ses vallées, un cadre de vie préservé avec des bourgs, des espaces boisés et agricoles et un véritable patrimoine architectural, l'agglomération est un territoire d'exception et de projet. Avec la création de nouveaux quartiers, sur le Moulon, à Gif et Orsay et à Palaiseau autour de l'école polytechnique, Paris-Saclay est un modèle à inventer, unique. Un campus urbain qui mêlera en synergie logement, équipement public, infrastructures, activités économiques, de recherche et d'enseignement, en évitant l'étalement urbain. Car c'est cela, ces quartiers-campus à bâtir ensemble. Un aménagement qui préserve la richesse environnementale du plateau et ses 4115 hectares de zones de protection naturelle, agricole et forestière, dont 2469 consacrés à l'agriculture. Le gage d'une biodiversité préservée dont le Triton Crété est le symbole. Le mouvement est en marche. À l'automne, le Centre de recherche et de formation d'EDF ouvrira ses portes, prélude à l'arrivée sur le plateau d'écoles renommées dont la réalisation est signée par des architectes non moins prestigieux. Construction sur le Moulon en 2016 de l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Arrivée de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France et de l'École centrale dès 2017. De l'Institut Mines Télécom et de l'École normale supérieure à l'horizon 2018. Du projet Biologie, Pharmacie, Chimie de l'Université Paris-Saclay en 2020. La liste est longue et le calendrier chargé de l'excellence scientifique qui a fait le choix de prendre ses quartiers sur le plateau de Saclay. Ces exceptionnelles opérations d'aménagement s'inscrivent dans la logique de la création de l'Université Paris-Saclay qui vient officiellement de voir le jour. Elle regroupe d'ores et déjà 2 universités, 10 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, 7 organismes de recherche. À terme, 20% de la recherche académique et industrielle seront regroupés sur le plateau. C'est une avancée majeure pour le monde scientifique français et l'assurance de figurer en très bonne place dans la compétition universitaire mondiale. Le développement harmonieux de ces quartiers-campus ne peut se faire sans un déploiement efficace de moyens de transport adaptés. Au niveau local d'abord, grâce notamment au TCSP, le transport en commun en site propre, dont la réalisation permettra de relier à court terme la gare RER de Massy-Palaiseau au CEA Crise de Saclay en 30 minutes. Cette ligne, l'Express 9106, entrera en service fin 2015 et constituera l'épine dorsale du réseau de transport en commun Mobicaps. Voitures, avec le développement de l'autopartage, et vélos doivent aussi prendre toute leur place. Des études sont lancées pour améliorer le réseau routier et les liaisons plateau-vallée. Toute la gamme des moyens de transport doit être renforcée pour rendre notre territoire accessible. Enfin, le métro du Grand Paris est indispensable. C'est dès 2024 que le tronçon Orly-Crise de Saclay de la ligne 18 sera mis en service. À terme, ce sont 3 gares qui verront le jour sur le territoire, mettant ainsi le plateau de Saclay à 30 minutes de Paris. La ligne 18 du Grand Paris Express est un gage de réussite de Paris-Saclay. Le développement de notre territoire passe également par les liens étroits, soutenus, que nous entretenons avec nos partenaires. D'abord les communes, mais aussi le département, la région, l'État. C'est fort de ces partenariats de bonne intelligence que nous avons élaboré notre contrat de développement territorial qui sera notre feuille de route pour les années à venir. Les bouleversements, les changements annoncés, en un mot, la mutation de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, devront signifier pour les habitants des services publics et des infrastructures de grande qualité, des équipements publics de proximité, plus de bien vivre ensemble. C'est tout le sens des actions menées par la CAPS. Mobicaps, son réseau de transport en commun, déjà largement plébiscité par les usagers, ne cesse de s'adapter et de se renforcer. De même, notre plateforme de covoiturage, caps.covoiturage.fr, qui existe déjà depuis 2 ans, voit sa fréquentation s'envoler. L'animation du territoire n'est pas en reste. Pour leur 5e édition, les randos durables ont rencontré un succès grandissant. De même que la fête de la science, dont le cerveau humain était cette année le fil rouge.
Afin de poursuivre dans cette veine, 2015 verra s'organiser un nouveau grand événement sportif et culturel à l'échelle du territoire en s'adressant à un large public familial. Mais c'est également au travers de ces équipements que la CAPS joue son rôle d'animation. Le centre aquatique La Vague à Palaiseau fête son premier anniversaire avec une fréquentation qui ne se dément pas et qui progresse. L'excellence et les initiatives de son réseau de médiathèques viennent d'être plébiscitées par le prestigieux Grand Prix Livre Hebdo de l'innovation des bibliothèques francophones. Les conservatoires du territoire ne désemplissent pas et à moyen terme, le nouveau bâtiment moderne du conservatoire à rayonnement départemental sortira de terre à Orsay. Un équipement attendu des musiciens professionnels et en herbe. Pour mieux faire connaître et faire partager ses actions, le territoire dispose à présent d'un nouveau site internet et d'un magazine d'information proche de nos concitoyens. Le déploiement de la fibre optique et du très haut débit sur le périmètre de la CAPS est aussi un objectif stratégique pour le territoire et un succès. Fin 2014, ce sont 12 000 foyers et nos 14 zones d'activité qui étaient raccordables. Aujourd'hui, notre intercommunalité est en pleine évolution. Tout d'abord avec une nouvelle gouvernance, issue du scrutin de mars dernier, qui a vu le conseil communautaire largement renouvelé, avec 7 nouveaux maires sur les 11 communes que compte la CAPS. Une gouvernance apaisée, un partage des enjeux avec l'ensemble des élus pour une intercommunalité plus forte. La fusion probable au 1er janvier 2016 de la CAPS et d'Europe-Essonne est une formidable opportunité de développement. D'abord parce que ces deux entités sont complémentaires dans la dynamique du cluster Paris-Saclay. Ensuite, parce que la future intercommunalité, son périmètre, restera à taille humaine pour aborder les enjeux d'aménagement. C'est une opportunité pour le développement économique, grâce notamment au parc d'activités de Courtabœuf, qui bénéficie d'ores et déjà d'une gouvernance unifiée et de 18 millions d'euros d'investissements programmés. Ce bassin économique exceptionnel gagnera en attractivité et offrira des perspectives d'emploi plus importantes. Enfin, le nœud de transport multimodal déjà en œuvre à Massy, grâce à son RERB, son TGV, son autoroute A6, puis le TCSP et la ligne de métro, renforcera l'accessibilité du plateau de Saclay. L'ambition de la CAPS aujourd'hui, c'est d'inscrire notre futur territoire à l'échelle de la métropole du Grand Paris, de lui donner une vocation sur le plan national, de lui conférer une notoriété à l'échelle européenne et mondiale. C'est la vocation de la CAPS à venir, c'est notre ambition.